Il y a des situations difficiles qui se résoutent maintenant. Car Dieu entre dans l'action. Au nom de Jésus-Christ. Tous nous crions comme un seul homme. Amen. Nous acclamons notre professeur. Et tout l'amour de la tombe va passer. Voilà. Je dirige l'église de Ngamadé. Moi, il n'a pas comme ça, moi, il n'y a pas de. Si tu es de Ngamadé, c'est une doctrine. Si tu es de tel. Là, je suis le pasteur responsable. Et je m'appelle Bo parce que je suis jeune. Mon ami Zali, pourquoi il n'a pas ça? Et lorsque Dieu m'a sauvé, mon ami Zali a été la publique qui s'entraîne. Il a changé le nom. Après cela, on a aussi. Et on appelle maintenant pasteur Caleb. Si quoi, on va donner ma main, on va dire Caleb. Je vous aime beaucoup. La Bible. Et je les retrouve la Bible des Chants des Salomon. L'une des chantres des Salomons. L'une des chantres dans le palais des Salomons. Voilà. Amen. Amen. D'entrée de jeu, je voudrais remercier le Seigneur Dieu qui a rendu possible les assises aujourd'hui. Dans côté là, il a dans un nous malgré la pluie, mais Dieu a permis que nous nous rencontrions en cellule. J'ai béni aussi le pasteur des églises. C'est notre Dieu. Ce sont des papas qui nous ont encadrés quand nous sommes convertis. C'est le pasteur Israël Wendel. C'est un papa qui nous aimons beaucoup. D'ailleurs, moi et lui, nous avions étudié ensemble chez le pasteur Florent. Mais sauf que lui n'a pas fini. Et nous, nous avions terminé. C'est un papa que nous aimons. Et je lui aussi sa femme et ses enfants s'ils sont là. Sachez que votre papa a un bon témoignage dans notre communauté cité Je remercie aussi tous les éminents serviteurs de Dieu assis devant moi. Je crois de tout mon cœur. Si cette église est celle que je vois, parce qu'il y a un travail collégial qui se fait. Et parmi les gens qui mettent la main dans la pâte pour que l'église avance, il y a aussi de vaillants que vous voyez ici. Moi, je vous respecte beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer Dieu et à aimer les amis de la terre? Amen. Amen. Je vous appelle là, je vais respecter le temps. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous lever, nous allons faire la première lecture. Je suis dans le livre de Marc au chapitre 3. Nous lirons le premier verset jusqu'au cinquième verset. Vous avez déjà trouvé? Est-ce que vous avez trouvé? Ceux qui n'ont pas des livres ici à côté de ceux qui ont amené la Bible. Tout le monde lit la Bible. Si tu as aussi ta Bible en livre, ouvre-la et lisez-la. Ceux qui vous ont dit, il y a d'ailleurs en livre.
Marc chapitre 3, verset 13. Jésus entra de nouveau dans le synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la messe. Il observait Jésus pour voir s'il était bien réjouissant. C'était un homme de pouvoir acquiser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il a est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une personne ou de la restituer? Et puis ça dit de la vie de mon bonheur sabbat, au 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 et en même temps affligés de l'abaissement de leur cœur. Jésus dit à l'homme, étende. Il étendit. Et sa main fit. A dit après moi, amen. Je vous prie de Dieu. De Dieu, on faire. Il laisse mon père parler la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu faire le marathon de la parole. Le nom d'ailleurs pour t'appuyer, le nom. Bien, mais ce matin, je ne suis pas venu comme un enseignant. Non, moi, on a été le pour la police. Je ne suis pas venu ici comme un docteur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu comme un apôtre. Mais ce matin, je suis venu comme un évangéliste. Ça, c'est donc quoi l'on a eu le pour la police. Thank you.
de la nouvelle entrée. Est-ce que nous pouvons les répéter ensemble, les mystères de la nouvelle entrée? Est-ce que nous pouvons les répéter à haute voix une d'un droit? Les mystères de la nouvelle entrée. Est-ce que vous pouvez les faire à haute voix? Je ne l'attends pas. Une d'un droit. Les mystères de la nouvelle entrée. Les mystères de la nouvelle entrée. L'icône m'a mis en côté là. Je comprends quelque chose qui est caché. Dans ce thème, dans ce texte, il y a quelque chose qui est caché dans le premier verset. La Bible dit, Jésus entra de nouveau. Dis-le, si Jésus est entré de nouveau, la Bible dit Jésus entre de nouveau. Cela signifie qu'il y a eu des jours, il y a eu des années, que Jésus a fait entrer dans cette synagogue. Il entre souvent, mais ces jours-là, le mystère de la nouvelle entrée. Chaque entrée de Jésus avait un mystère. Côté à
soyez celui qui délivre comment. Mais si je joue, il entre pour le lever fou. Et c'est quelqu'un de compréhension. Tu m'as dit, au bas là, la maternité, et sèche, au cas où cas. Et c'est quelqu'un de compréhension. Tu travailles, au sac, au mélange, mono, et sèche. Il y a des petits sorciers dans ton entourage.
Laisse-moi prophétiser sur toi. Aujourd'hui, même s'il te regarde, Jésus te visitera. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton heure, ta saison, c'est ton moment, c'est ton année. Aujourd'hui, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour toi. Jésus est en train pour te faire du bien. Jésus est en train pour te visiter. Même si il regarde Jésus, Jésus ne sera pas tard. Jésus est béni de toi. Il sera visité. Ton problème sera résolu. Ta solution sera effective. Tes attentes viendront. Ton voyage se réalisera. Aujourd'hui, combattre la pauvreté, parce que Dieu te le dit. Voilà. Amen. 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 Amen.
pour la visiter. Il est venu là ici. Il y a un vent qui souffle sur toi. Il y a un prophète qui est visible. Il y a une lumière qui est venue sur toi. Alors reçois ta lumière. Il n'y a pas de problème. Oh yes. Faites la joie. Est-ce que l'église nous pouvons acclamer le Seigneur? Les sabbats ici, c'est quoi? Ça va te ce sont des choses que ta famille
connaissaient ce truc. Ils ont dit, toi, tu vas te marier, mais tu n'auras pas d'enfant. Laisse-moi te dire, le véritable sabbat, c'est quoi la loi de Moïse? Le véritable sabbat, c'est Jésus. Jésus est notre repos. Restons au nom de Jésus. Alléluia. Jésus entre. Yes. Il dit, vous ne savez pas que c'est moi qui ai le sabbat. Vous ne savez pas que je suis le maître du sabbat. Le pouvoir du bien dans le sabbat. Il y a cet homme. Mets-toi au milieu.